Sténio Vincent, 29e président d'Haïti. Pendant l'été 1930, pays était en pleine campagne électorale et il était divisé en deux groupes. Il ou un où un groupe national qui était contre l'occupation pays. L'autre bord où joint un groupe de collaboration qui était pour américain arrêter et continuer à occuper pays. Et comme la tension était très haut, en pile monde et même autorité américaine, ils était d'accord pour jeune roi et garder pouvoir pour au moins deux ans. Cependant, il n'y a pas de blé. Il a organisé l'élection. Après ça, il prend recrète Pétionville, côté le mort le 27 octobre 1939. Le 14 octobre 1930, élection faite dans tout le pays a pour nommer député avec sénateurs. Un mois après, le 18 novembre 1930, deux chambres ont réunis en Assemblée nationale pour faire élection présidentielle. Jusque-là, pas de Kogu a fait peuple à le voter pour nommer président. Élection présidentielle était faite au second degré, qui veut dire que c'est député avec sénateur qui était réuni à la chambre et ont été votés pour nommer un président. Pour l'élection, ça a gagné plusieurs candidats. Mais de ça, c'est pire, important, c'est ce Pradel et Stenio Vincent. Dans l'élection, pour un candidat à la présidence Passé, il faut qu'il y ait pile cob qui mette dehors. Pour que c'est pas de député avec sénateur. Parfois, en plus de ça, le candidat candidat ont été obligés pour mettre un député ou un sénateur, que la nomme le ministre, si ce cas lui passait comme président. Ce Pradel, sénateur de la République, te fait Jacques Mel c'est un grand avocat qui devient un, un cabinet pour au prince En 1902, il était montré le très, très brave l'eltap défendre de Jacques Mel. C'est peut être ça où t'es le prince de la jeunesse. Homme de principe, homme de parole, homme d'honneur. C'est mon pradel Magouille. C'est ça qui fait perdu l'élection. Et c'est Sténio Vincent qui t'est passé. L'histoire rapportée que c'est monseigneur seigneur en ensemble avec Édouard et Estève, puis grand négociant haïtien N'importe Port-au-Prince dans l'époque, ça E ke se yo deyo a ki te met an pil kop deyo pou finanse kampany prezidentiyel Stenyo Vincent. Vincent se ton mulat ki te fet hensh. Vincent te avoka, se ton om du pep, e se ton gro intelektuel. Li te fet pati goup nasyonalisyo ki te kont l'okupasyon. Vincent te gen bel vwa, il te kon pali. Nan epok sa, pa gen moun nan tout peyi a ki te kabat Vincent nan fe bel diskou ke se en kriol ou en fwasey. Vincent est passé plusieurs gros fonctions dans l'État. Magistrat communal, pauvre prince, diplomate, ministre de l'Intérieur sous d'Artiguenave. D'ailleurs, c'est lui qui était président du Sénat. Dartignauve fermait fermé Sénat en 1917. Il présenté Vincent un couillon monde qui pas 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 mettre l'autre dans sa la felle. C'est pour ça qu'il était convive qu aux dépens de bons amis. Vincent ne en chiffres. Il était un problème avec mathématiques. C'est ça qu'il fait en 1908 on note faire évoquer comme magistrat communal pas au prince parce que Vincent Pas de compte sous combien qui rentrait ni combien qui sortit dans la recette communale Ville pas au prince Vincent de jean Marié, pendant tout le temps il était président, c'est un seul qui était les résident, qui était intendant et qui était tout occupé au Palais national. Les ont dit rapporter que Vincent c'est un et Il était un dossier, un gros. Qui te gagne dans ma Rouge, dans la zone de Jean Rabel, qui te contre-travail pour lui. À peine lui au pouvoir, deux premiers actes que Vincent a posés, c'est un décret que le prend pour tout défendre, pour parler créole dans toute l'école qui gagne dans le pays. En 1934, le président Vincent a fait un voyage aux États-Unis. Le président américain Franklin Delano Roosevelt te recevait dans la Maison Blanche et te fait une réception pour lui. Comme d'après la Constitution, c'est le ministre de l'Intérieur qui est censé remplacer le président pendant toute qu'il était dehors. Et comme c'est Elie Lescaut qui était ministre de l'Intérieur, qui donc, c'est lescaut qui t'a dirigé PIA pendant que Vincent était en visite officielle aux États-Unis. Lescaut a profité de circonstances à pour faire un discours devant Statut Toussaint l'Ouverture qui sous-chambre de masse là en face palais national. discours ça a montré clairement que déjà, Elie Lescaut a travaillé pour le vice président d'Haïti. Le 5 juillet 1934, président américain Franklin Delano Roosevelt, à bord d'un bateau de guerre SS Houston, débarqué au Cap exactement à 10h du matin pour le retourner à visite officielle que président Vincent Teffel Washington dans le commencement à l'année. Roosevelt, qui était paralysé, te descend bateau sur une chaise roulante. Ensemble avec Vincent, Roosevelt t fait la vie une ville au Cap à bord d'une voiture décapotable. Pendant tout le parcours, le peuvent te deux bords dans toute la rue et t'a tabac bravo. Après ça, tu as une réception qui t'a organisée dans Union Club. Roosevelt te tient à ce que, au lieu de champagne, tu te servi un rhum ponche qui fait avec un rhum Babancourt 5 étoiles. C'est juste ça que deux présidents, Roosevelt avec Vincent, signent au Cap un accord pour lever l'occupation. Hein? Et pour toute troupe américaine, il a quitté le pays définitivement dans mi temps mois août. Le 1er août 1934, sous Champ de Masse, Port-au-Prince, colonel américain Vogel transféré le commandement Garde d'Haïti par le colonel haïtien Demostène Petrus-Calixte, qui acceptait le 14 août devant le quartier général Marigno, une cérémonie symbolique, côté des 100 drapeaux américains, et après ça, il a monté drapeau haïtien. Le 21 août, c'est date ça que le président Vincent est choisi pour fêter officiellement le V Occupation et commémorer la deuxième indépendance pays d'Haïti. À minuit, Fort National a tiré un coup de canon et la fête a commencé. À 8h30, cloche dans toute l'église dans port au point tape Monseigneur Monseigneur Conan, ensemble avec monseigneur Legoise, a chanté tédéum dans la cathédrale. Après ça, Président Vincent a recueilli sous-tombe des Salines avec Pétion. Et puis, l'Italie sous champ de masse déposait bouc et flair devant statut de salines avec tout ça en l'ouverture. eu une grosse réception dans le palais national. Et t'as une fête tout partout. Dans la soirée, a tiré un pile-feu d'artifice dans Port-au-Prince. Pays a déoccupé. blanc et opatis. Qu'on y a à Vincent pour le faire face carré avec un bon problème. Tout d'abord, problème garde d'Haïti. Presque tout soldat sous-officier ou ses parce Presque tout officier ou ses Tandis que commandant en chef la mer, colonel Calix, c'est en noir. Au fond, Calix était commandant la garde d'Haïti seulement de nom. Vrai commandant, c'était Major Durcet Armand Yomulat. En octobre 1934, deux mois seulement après que Bleu au Armand a dit Calix, aime bien, quel que soit ça ouvre le président fait pour la garde d'Haïti, ou fait pour eux d'abord. Il est clair que Armand n'a aucun respect pour Calix, qui pourtant est chef, lui, était un pile incident qui passait qui montrait que Major Dieu sait Armand était très arrogant vis-à-vis -vis de Calix. Chapitre 6. Politique Vincent. En 1932, Vincent a profité de l'élection qui était faite pour nommer un député pour commencer à débarrasser de quelques anciens collègues dans en parti nationaliste. là. premier monde qui pourrait le tomber, c'était Joseph Jolibois, fils, qui était président de la Chambre. Il y une façon pour le craser, influence que sénateur Simon Pradel bien la Chambre. C'est comme ça avec force magouille. Vincent a réussi fait faire ne Nemours, Vincent, passé comme député, première circonscription Port-au-Prince, dans place Joseph Jolibois-Fils. Il a rapporté qu'à l'époque ça, pas pas aucun candidat pour député qui était capable battre Jolibois dans Port-au-Prince. Jolibois était te tellement populaire que dans la campagne électorale 1930, il y avait un paysan là, qui avait mettre à genoux devant Jolibois. Après que a fait fait quoi de Dieu, il a demandé Jolibois pour l'invoquer grand maître là et faire la pluie tomber élu en 1930 pour six ans en 1935 comme manda Vincent presque bout d'un coup tout bon président d'Haïti Vincent a calculé pour le ouais qui magouille il pourra le fait, pour le kember pouvoir plan Vincent est simple premièrement fermer la chambre renvoyer tous les députés et tous les sénateurs deuxièmement écrire une lettre constitution et troisièmement comme le ça pas bien la chambre présenter constitution ça pas le bah, peuple et demander au peuple pour voter si oui ou non il est d'accord avec la Constitution Sahara et fait que ce peuple souverain lui-même ratifie la Constitution. Dans le commencement 1935, il est tombé fait circuler une pétition dans tout le pays. Il mandé papa Vincent pour le était au pouvoir. Le 2 juin 1935, le peuple a voté pour approuver la Constitution que Vincent a préparée. La Constitution ça était le président. n'ont pas quel pouvoir. doit pour renvoyer la Chambre. Doit pour le gouverner par décret, doit pour le nommer 10 dans 21 sénateurs et choisir 11 autres sénateurs dans une liste que la Chambre des députés pour le préparer. Et ça qui es est plus important, c'est que tu as qui automatiquement nomme minstegno sténio Vincent, président d'Haïti, pour un autre mandat de 5 ans et qui pourra le permettre de continuer à au pouvoir de 1936 à 1941. C'était plus qu'on mascarade, c'est un crime. Pour présenter et mander un peuple à 90% en alphabète... pour y approuver une constitution qui écrit en bon genre français. Il faut que nous ne croyons que tout le monde est d'accord avec la Gode, ça que Vincent a prémet. En mars 1935, Lucien hibert secrétaire d'État des Affaires étrangères, qui veut dire ministre, qui t'a occupé les affaires et relations Haïti avec l'autre pays, Talwe Kalix, commandant garde d'Haïti, et mandel pour y faire un coup d'État. Et renversait Vincent. Calixte a rapporté par Vincent, qu'il a même révoqué et fait arrêter Lucien Hibert. Nous devons remarquer que sept mois seulement après que Marine-Méricain et partie, les politiciens haïtiens étaient déjà dans la garde d'Haïti, un bon instrument qui a aidé à faire coup d'État et prendre pouvoir. Au point de vue économique, le pays a traversé une période très difficile. Le café a été tombé à l'étranger en octobre 1935. Il y a un gros cyclone qui frappe frappé toute la région sud pays. Ya, et de côté, Jacques Mel, de l'eau est montée plus de 3 mètres de haut. Dans la grande danse, la valasse de l'eau est descendue et elle est aller en pile caille. Et dans tout le pays, le cyclone ça été la cause, plus de 2000 personnes sont mortes. Toutes les compagnies américaines qui sont venues installer dans le pays pendant l'occupation, elles ont toutes été élevées, tout elles ont fermé fermé fermées, sauf Asco, dans port de Prince, et plantations d'aufin dans zone de liberté. Cependant, le commerce figue-banane a monté en flèche. En 1938, Haïti exportait exporté 1,4 million de régimes figue-banane. Et en 1939, Haïti a exporté plus figue-banane, que Brésil, Équateur, la République Dominicaine et Honduras. De pays que, dans l'époque, ils étaient reconnus comme grands producteurs et grands exportateurs figue-banane.